Bonjour chers téléspectateurs et merci de nous faire confiance une fois de plus. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est votre programme H-Foot qui démarre. Et pour cette autre édition, on va simplement remercier la confiance que vous nous manquez de mettre à notre endroit. Tous les samedis, lorsqu'il est 11h30 sur les antennes de la télévision HTV. Pour cette autre édition, on parlera bel et bien des morts subies dans le stade ICC en milieu de semaine dernière. C'est le jeune Pidi Ovidi du Tournai Kara Club rendu de ce côté d'un fou pour un match amical qui tombait sur le stade. On en parlera dans cette édition de H-Foot. Toujours dans cette édition de H-Foot, on parlera de la Ligue 1 qui est supposée se disputer à 22 la saison prochaine. Le tribunal en a tranché ainsi à milieu de semaine. Et derrière, on parlera du vintage. Cela fait 30 ans que l'aventure dure. 8 juin 90, c'est 8 juin 2020. Rappelons simplement que les Lions indomptables du Cameroun venaient à bout de la formation de l'Argentine avec un miraculeux Maradona. Et pour cela, comme si vous y étiez, on va évoquer quelques anecdotes, on va évoquer la compétition en elle-même et ce que ces derniers sont devenus. On sait que beaucoup nous ont véritablement quittés. On parlera des championnats professionnels au Cameroun. On va se projeter sur le probable démarrage du championnat et surtout les probables dates de démarrage de ce championnat. Mais qu'à cela ne tienne, on mettra un accent particulier sur une équipe de la région du centre. Que ce matin, il s'agit de Fauvazur parce que le président nous rejoint et va nous rejoindre dans quelques minutes. Dans ce studio, on essaiera de dresser le bilan. Comment cela s'est passé? On sait que c'est une équipe qui a commencé difficilement et qui finalement a terminé dans le quintuple de tête du côté du championnat de Ligue 2. Qu'à cela ne tienne, avec le concours de la réalisation de l'autre côté, on va prendre une respiration et on se retrouve derrière vous pour présenter le panel. Merci une fois de plus de nous faire confiance et comme on vous le disait tantôt, ils sont déjà dans ce studio, ils nous font confiance et celui que je m'avais présenté ici a eu la chance de disputer des grandes compétitions. Aujourd'hui, il est assis sur les différents bancs de touche. Hier encore, il était assis sur le banc de touche des Lions U17 du Cameroun. 15 ans après, il a réussi à relever le challenge du coach Anatole Abbé et il a permis au Cameroun de remporter la CAN U17. Mais qu'à cela ne tienne, il fait partie de cette épopée de 90 dans cette Coupe du Monde. Il y a 30 ans de cela, permettez-moi d'introduire le coach Libi Thomas qui nous fait l'amitié ce matin. Bien le bonjour, bienvenue coach Libi Thomas. Bonjour fils. Comment vous allez? Ça va tout doucement. On voit que ça commence à blanchir là, coach. Ben oui, on a plus de l'âge, c'est normal. Beaucoup de temps sont passés. Oui. On va peut-être commencer par l'académie. Comment se porte l'académie en ces temps de Covid-19? Bon, mais je pense que tout va de bon train. Je pense qu'il n'y a pas de souci majeur. C'est qu'on essaye de ménager les gamins tout doucement en tenant bien compte du Covid-19. Et vous nous rassurez ici que vous allez tout dire à nos téléspectateurs. On parle tout d'abord de cette compétition, les dits et les non-dits. On parlera aussi de votre passage à la tête des Lions U17 du Cameroun. Vous avez réussi quand même à nous conduire à une Coupe du Monde, bien que vous avez été débarqué dans un avion. Ben, je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on a pu apporter à ces gamins. Je pense que le plus important, c'est d'abord les gamins, ce n'est pas nous autres. Je voudrais qu'on commence peut-être par là. Vous avez eu la nouvelle, le jeune sociétaire et latéral du Tournai Kara Club de Yaoundé, James Epidi Ovidi, qui, dans un match amical, nous sommes en pleine trêve, est allé du côté d'un fou avec ses amis s'amuser. Et finalement, il ne reviendra plus après une accélération sur le côté en revenant. Il s'est arrêté, s'est écroulé et patatras, désormais on parle de lui au passé. Oui, mais je pense que les sportifs en principe doivent se ménager un tout petit peu. Je pense qu'ils doivent faire attention à eux parce que j'en connais certains qui prennent des comprimés sans toutefois consulter les médecins.
c'est très délicat. Le docteur du quartier. Ben voilà, c'est ça. Et puis d'autres qui, sans entraînement après 2 semaines, peuvent se permettre d'aller sur un terrain de football et penser pouvoir faire ce qu'ils ont toujours fait par le passé. Non, c'est le corps humain, il faut faire attention. Donc c'est vraiment regrettable parce que c'est un petit que moi j'ai vu jouer qui avait vraiment du talent. Et c'est vraiment dommage parce que hier matin, quand on a fini de faire le footing avec les gamins de l'académie, après ils sont revenus en larmes. J'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait, mais c'est eux qui m'annonçaient justement la mort du jeune. Surtout que vous étiez sur ce banc de touche du tournée il y a 2 saisons, si je m'en abuse. Oui, bon, vous avez préparé la saison avec eux, un tout petit peu, oui, mais après comme ça allait dans tous les sens, je me suis retiré. Vous n'aimez pas trop le bruit autour de vous. Non, ben voilà, c'est ça, oui. Merci et surtout installez-vous confortablement, coach. Et merci pour l'honneur que vous nous faites. Lui, c'est pratiquement un monument, un pilier, un concepteur de ce programme. Billy Outo, il nous rejoint une fois de plus ce matin. Il est intermédiaire, on va dire agent intermédiaire de joueur, si on peut se permettre cette expression-là. Il nous fait l'amitié une fois de plus. Bien le bonjour et bienvenue, Billy. Bonjour, fils Daniel, et bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Je vais bien, malgré ces temps difficiles qui courent, mais je vais super bien. C'est toujours une joie de partager un plateau avec ceux qui nous ont fait rêver, même si je venais à peine de naître. Mais après, il y a eu des vidéos, on a essayé de revoir et on a la chance de partager le quotidien avec eux. C'est un honneur. Merci finalement parce que vous vous faites disponible à chaque fois que cela se veut pour ces antennes, pour cette télévision. Ah, vous savez, c'est la passion qui nous anime. Voilà. Billy, on va peut-être commencer par là avec vous. Le sujet d'entrée, c'est peut-être vous coller un mot tout d'abord sur le jeune Pidi. Vous avez suivi tout le championnat au Cameroun et qu'un jeune, en ce temps de Covid, en ce temps de confinement, se retrouve dans une situation comme celle-là où on veut faire les efforts alors qu'il faut préparer le corps. Vous comprenez aussi qu'à un moment, on peut donner raison à la fédération qu'il fallait attendre beaucoup de temps pour permettre à ces derniers de rebondir. Oui, bon, la fédération a donné, l'État a donné des instructions, la fédération aussi, mais. Malheureusement, vous savez, quand vous ne savez que pratiquer une seule discipline, jouer au football, ça devient lassant pour vous de faire 2 à 3 mois à la maison sans pratiquer l'activité. Donc je crois qu'il est allé faire ce qu'il savait faire le mieux. Malheureusement, mal lui en a pris. Il est tombé sur le champ de tir. Mais il faut dire ici qu'il y a eu un problème de négligence. Parce que vous vous rappelez que lors du classique au canon tonnerre, il avait déjà eu un mal. Il a été évacué de l'aire de jeu et à la suite de cela, il a même été réanimé grâce au docteur Yannou. Il a pu recouvrir la santé. Et puis le docteur Yannou avait dit aux dirigeants de Tonnerre qu'il ne faudrait pas qu'il revienne sur un stade de football sans présenter des examens médicaux, principalement sur le plan cardiaque. Mais je crois que ça n'a pas on été fait. On parle d'électrocardiogramme, quelque chose. Des trucs comme ça, voilà, je ne maîtrise pas le terme technique. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Les gens du tournoi, il y a une négligence de leur part. Et du côté du joueur aussi, il savait qu'il a un problème et qu'il lui était interdit de pratiquer le football. Et il est allé le faire, croyant peut-être que c'était une blague, oubliant que le corps a ses principes. Et malheureusement, c'est arrivé. Voilà, je crois qu'on gagnerait. Parce que lorsque nous, on pousse un peu les recherches, on nous fait savoir qu'il avait une intervention. Comme on dit, peut-être nous ne sommes pas des médecins. On a dû lui retirer de l'eau dans les poumons. Et il a passé un bon mois avant de retrouver le haut niveau de la compétition. Non, mais vous voyez donc déjà que c'est quelqu'un qui n'était pas déjà en santé. Parce que si c'est une première fois, on peut se dire, OK, ça peut arriver. Mais lorsque vous avez des antécédents, et que sur le plan médical, vous n'êtes pas prompt à jouer, ça fait qu'à un moment, vous-même, vous n'êtes pas responsable. C'est vrai qu'il y a votre club qui peut vous interdire de jouer, il y a votre médecin qui ne donne pas le OK, il y a les examens médicaux à faire qui reviennent à la charge du club, mais il y a que vous-même déjà, si le club ne l'a pas fait, si la fédération, quelque part aussi, ne l'a pas fait, je crois que c'est à vous-même, le joueur, de dire que je ne vais plus rentrer sur un terrain de football. Donc c'est pour ça que j'ai dit ici que les responsabilités lui partagées, mais la plus grande responsabilité lui revient. Je crois qu'il faudrait comme ça tirer rapidement les leçons, essayer de voir comment faire pour pallier ces manquements la prochaine fois. Parce qu'il n'est pas le seul, il y en a qui sont vraiment, vraiment exposés. Le coach parlait ici des joueurs qui prennent des stupéfiants, des médicaments pas du tout appropriés. Et on le leur dit, on les voit faire cela, on leur dit voilà c'est très dangereux ce que tu fais. Et après aussi il y a d'un autre côté, c'est que quand vous... Lorsqu'on vous établit une licence
Et qu'on sait que dans le dossier qui constitue une licence, il y a le dossier médical. Est-ce que cela est réellement fait en début de saison? Et lorsqu'il est fait, est-ce qu'il y a un suivi? Donc, je crois que c'est, il y a eu on doit se poser des négligences beaucoup de questions en ce moment. Il y a des négligences à plusieurs niveaux. Et malheureusement, la mort survient. Il y a un débit aussi qui est passé par Renaissance, qui est passé par le Tonnerre, qui est passé par Canon, le Bille, comme il s'appelait communément par les intimes qui nous a quittés. On va se joindre à la famille de ces derniers pour simplement leur adresser les condoléances les plus attristées de la famille du football, en espérant qu'ils seront à la droite de Dieu le Père, comme on dit le plus souvent, et c'est le chemin de tout un chacun. On dit tout coule, rien ne demeure, ils ont juste pris l'avance, on va les retrouver d'un moment à l'autre. Et c'est une des guest stars aussi de ce matin dans ce programme. Vous savez, nous sommes en intersaison, en attendant la décision de la fédération, soit de faire jouer, soit de ne pas faire jouer la Coupe du Cameroun. Mais lui, il est ce président-là qui évolue en Ligue 2 au Cameroun grâce au club appelé Fauve Azur. C'est le président Nyaka Mendjo Norbert qui nous fait l'amitié ce matin. Bien, bonjour, bienvenue, président. Merci, bonjour, bonjour. Bonjour à tous les panélistes, c'est-à-dire vous, Daniel. Au coach Libi. Le coach Libi. Ato, comme il s'est fait appeler par les intimes, par tous ses enfants. D'accord. Le 15 mondial. Et puis surtout, bon après-midi à tous les téléspectateurs de H-Foot, et ceux qui sont très nombreux. Ils sont peut-être des millions. Ils sont même des milliers. Voilà. Vous savez, c'est des ondes. On ne sait pas à quel niveau ça s'arrête. Exactement. Et présent, on parle comme ça de ces accidents cardiovasculaires dans les stades avec ce jeune qui nous a quittés. Vous êtes président du club. Est-ce qu'en début de saison, vous vous rassurez que sur le plan médical, on n'a pas dit « Docteur, viens signer ici, on lui donne ce qu'on a lui donné. » Est-ce que vous vous rassurez vraiment que cette batterie d'examen soit suivi, soit fait avant que d'obtenir la licence d'un enfant? Vous savez, nous avons une approche qui est une approche, je dirais, légaliste, c'est-à-dire que l'Afrikafoot met à la disposition de tous les clubs qui s'engagent dans le championnat un certain nombre de médecins. Et ce sont ces médecins-là qui encadre l'aspect médical d'avant-saison. Et en plus de cela, ce que moi je peux dire, c'est que nous, en interne, nous avons une kiné qui est diplômée, qui a les compétences requises et qui est sur nous en permanence. Il n'y a pas une seule séance d'entraînement ou un match officiel où elle n'assiste pas les joueurs. En cas de pépin, elle intervient aussitôt. Je profiterai pour dire un grand bonsoir à mes amis de Mimboman, sapeurs-pompiers. Parce que, on va dire que c'est là-bas, le club est basé là-bas. Allez-y, président, parce que c'est fanatique. Ils seront devant la télévision et ça va leur faire du bien qu'un président reconnaît quand même qu'ils sont à ses côtés au quotidien. Tout à fait, tout à fait. Et je me rappelle que pour la saison qui s'est achevée, il y a eu au moins deux interventions où on a eu des enfants qui avaient des pépins. La kiné avait fait ce qu'il fallait. Mais il fallait quand même s'assurer que les enfants étaient bien portants et que ça ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. C'est les sapeurs-pompiers qui sont intervenus, qui nous ont aidés à amener les enfants en question à la clinique pour qu'ils subissent des examens complémentaires. Donc, je peux vous rassurer que vraiment, grâce à eux aussi, les sapeurs-pompiers, grâce à la kiné, nous nous sentons en sécurité. Vous êtes satisfait de cette 5e position avant la fin du confinement? Vous terminez avec 34 points. On sait quand même que vous étiez avant-dernier à l'issue de la phase aller. Oui. On va en parler tout à l'heure, mais c'est juste en guise de jet. Non, vous savez, quand on s'engage dans une compétition, on a en tête vraiment l'ambition et la volonté de terminer premier, comme tous les autres d'ailleurs. Bon, quand on termine 5e, bon, ça fait un peu un goût d'inachevé. Bon, par contre, je ne peux pas trop rougir à la mesure où c'était notre première saison en élite tour. On a démarré dans des conditions un peu plus particulières. Et donc, et en partant à la fin de la trêve de la position d'avant-dernier pour nous retrouver en 5e position, je ne peux que dire bravo à mes enfants.
parce que certains nous voient déjà en Ligue régionale. C'est beaucoup de reconnaissance, hein, Président. En Ligue régionale, il n'y a pas eu de relégués pour cette saison. Infiniment merci, installez-vous confortablement. On sait que vous allez vous sentir chez vous. Coach Ato, c'est ainsi qu'on a un fils à vous, donc c'est ainsi qu'on va vous appeler. Libby Thomas, le 15, tous ces noms, vous aimez bien. On vous a vu dans la danse du Yagami il y a quelques jours, dans la détente. Qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message, coach Libby Thomas, où vous avez été encerclé par la tendance de l'heure par vos enfants? Non, je pense que quand vous êtes au milieu des gamins, il faut bien leur démontrer un certain nombre de choses. Ils sont là pour apprendre, et puis apprendre, c'est vient de ceux qui sont nés avant, et je pense que quand on est au milieu de cela, il faut se laisser aller et puis leur apporter cette joie-là. Et Billy, on parle du championnat de France. Le tribunal en a tranché et on jouera probablement 22. Amiens et Toulouse ne sont pas relégués. Donc, de ce côté, Aurélien chez Djoufongan peut encore sabrer du champagne. Bon, je crois qu'il ne va pas encore savourer du champagne. Il y a des préalables. Il y a des réserves parce que le Conseil d'État, certes, a donné son verdict et a demandé que le championnat, que Amiens et Toulouse soient rétablis. Mais maintenant, il revient à la LFP et à la Fédération française de football de prendre cette décision. Maintenant, est-ce qu'ils vont violer une loi? C'est à ce niveau que se situe la difficulté. Parce que vous savez, il y a une convention qui lie la Ligue et la Fédération française de football qui stipule que le championnat de Ligue 1 doit se jouer à 20. Et cette convention arrive à son terme le 30 juin 2020. Et elle a déjà été renouvelée par anticipation jusqu'au 30 juin 2022. Malheureusement, si elle n'avait pas été renouvelée, on pouvait essayer de modifier. Mais puisqu'elle a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2022, maintenant les deux parties vont s'asseoir. Est-ce que les deux parties vont décider de respecter la décision qui a été rendue par le Conseil d'État? Si les deux parties décident, ok, on va jouer à 22, mais si les deux parties ne décident pas, je crois que ça va être compliqué. Peut-être que les dirigeants d'Amiens et de Toulouse iront au tribunal arbitral du sport. Pendant ce temps, le championnat aura démarré. Voilà, mais vivement que la Ligue et la Fédération acceptent, parce qu'au moins, je crois que le championnat s'est arrêté à la 28e journée. Toulouse était dernier, occupait la dernière position. Amiens occupait l'avant-dernière position. Mais il faut le rappeler qu'il y avait encore 10 journées. Et en 10 journées, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient se passer. On a vu Lyon, il y a cela 2 saisons, elle s'est qualifiée au tour préliminaire de la Ligue des Champions lors de la dernière journée. On a vu plusieurs équipes comme ça. On a vu Arsenal, Liverpool perdre le championnat à l'avant-dernière journée, la glissade de Steven Gerrard. Donc en 10 journées, beaucoup de choses peuvent encore se passer. La Covid est arrivée. Mais lorsqu'il y a une situation qui n'a pas été prévu, je crois qu'on a des avantages par les équipes, on avantage plutôt les équipes. Donc pour moi, c'est déjà une mauvaise décision de reléguer. Aujourd'hui, que le Conseil d'État a donné une décision, vivement que la LFP et la Ligue prennent cette décision en compte pour ne pas essayer de léser Toulouse et Amiens. Après, il y a un autre débat maintenant qui surgit, c'est si on décide de ne pas jouer à 22 et qu'on veut jouer à 20 en respectant la décision du Conseil d'État, qu'est-ce qu'on fait de Lens et de Lorient? Il faut rappeler que ces deux équipes sont déjà en train de recruter. De recruter. Voilà, se mettre déjà au niveau de la Ligue 1. De la Ligue 1, parce qu'il y a Morel qui a signé à Lorient, sachant qu'il va jouer la Ligue 1. Bon, maintenant, si on décide qu'ils sont relégués, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que la situation est un peu ambiguë. Mais après, je crois que la situation exceptionnelle. Mesure exceptionnelle. Donc, c'est une loi, c'est vrai. C'est les hommes qui la font. C'est les hommes qui peuvent aussi la défaire. Président, on va dans ce sens de la loi. Là, il y a que la loi vous dit jusqu'en 2022, au moment où on a renouvelé, on doit jouer à 20. Mais il y a la Covid qui est arrivée entre-temps et le Conseil d'État dit, pour le moment, personne n'est relégué. Il y a une probabilité de jouer à 22. Comment ça peut se passer? Bon, vous savez, c'est pas... nous nous situons ici dans le cadre de ce qu'on appelle cadre de force majeure. Oui, c'est ça. Cela suppose que dans ce genre de situation, même les lois n'ont plus toute leur vigueur parce qu'on doit les adapter par rapport à l'environnement qui prévaut. Vous voyez, c'est une situation qui est un peu embêtante. En ce sens que, bon, pour une fois, nous les Camerounais, à travers la FECAFOOT, nous avons pris une bonne décision. Qui, bon, si la Fédération française avait pris la même décision,
Et ce serait pas retrouvé devant dans une situation comme celle-là. Comme celle-là et voilà. Vous avez anticipé. Et pour ne pas vous couper, président, je crois qu'à la fédération, ils avaient pris cette décision parce qu'il fallait éviter les procès. Tout à fait. Il fallait éviter ces procès. En France, n'ont pas regardé ça comme cela. Voilà une situation qui est difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Justement, lorsqu'on prend on veut prendre des décisions, il faut scruter tous les angles. Vous voyez, l'Africa Foot a eu la jugeote en voulant esquiver les procès parce qu'il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà. A pris donc la bonne décision. Parce qu'on se serait retrouvé aussi, par exemple, chez nous, au Comité national olympique et sportif du Cameroun. Non, mais il faut dire qu'il y a des présidents de club qui annonçaient déjà les couleurs. Voilà, le président d'avion du Cam avait déjà dit que s'il est relégué, il ira devant les juridictions. Voilà. On peut, coach, limitement coller quand même. C'est une situation pratiquement embarrassante de ce côté parce que nous, on sait qu'au Cameroun, on copie le plus souvent le modèle français. Et là, la France, le Cameroun, peut-être, est en train de donner les leçons parce que nous, on a pu anticiper pour éviter les tribunaux. Bon, l'affaire déjà au tribunal. Je pense que leçon, oui, c'est normal parce que là, nous sommes sur, sur le bon timing. Donc, pour moi, je pense que ce qui a été fait, pas aussi, si ça c'est avec tout le monde, je pense qu'il n'y a pas de souci. Billy Outo, on parle de la FECA Foot, 15 employés testés positifs. On va dire que c'est une enquête au Covid ou encore à la Covid-19. C'est la commission médicale qui a décidé, parce que la plupart du personnel était en congé, a décidé de faire revenir ces derniers. Et pour cela, avant que de reprendre le boulot, il fallait passer inéluctablement par les tests. Et là, sur ces personnes testées, il y en a 15 qui ont été déclarés positifs. Est-ce qu'on va dire que la porte sera fermée du côté de l'Africa Foot? Parce qu'on s'est rendu compte qu'entre dimanche et mercredi, on a désinfecté au moins 7 fois la tour de Tchinga. Bon, pas fermée. L'administration va continuer, mais on va faire avec ceux dont les moyens leur permettent encore de faire le travail. C'est pas toujours plaisant de dire que les personnes sont malades, mais c'est aussi bien parce que ça permet d'éviter la contagion des autres personnes. Donc, s'il y a 15 personnes qui ont été testées positives, on vous met en quarantaine, on vous met à la disposition des hôpitaux et puis on vous soigne. Je crois que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Parce que si ces personnes contaminent les autres, ça fera que toute l'administration et la fédération sera handicapée. Et je crois que le secrétaire général fait partie des 15 employés, lui qui est le patron de l'administration. Ça veut dire que les affaires courantes vont continuer. Il faut déjà préparer les échéances futures. Il y a le championnat qui pourrait redémarrer à une date qu'on ne sait pas, mais elle va redémarrer. Donc l'administration continue. Je crois que ces personnes-là, on va les mettre en quarantaine et puis les autres vont continuer à faire le boulot en espérant qu'elles reviendront en bonne santé le plus tôt possible. Président, il y a vous coller un mot. La Covid-19 est dans notre maison. On l'a fait qu'à faute. Il y a eu quelques décès. Il y a le président Mbida de la Foot, Dakono Linga, qui nous a quittés. Mais là, il n'y a que dans la maison, la commission médicale a fait son boulot. 15 personnes testées. Oui, je voudrais une fois de plus adresser mes sincères condoléances aux familles de tous les sportifs et particulièrement de la famille football du Cameroun qui nous ont quittés ces derniers temps suite ça fait déjà beaucoup, hein, au Covid-19 ou suite à d'autres maladies. Bon, maintenant, je trouve que c'était une bonne chose que la FECA Foot fasse un test généralisé à ses employés pour s'assurer que tout le monde est en santé et que on peut travailler sereinement. Ils ont pris une décision qui a été salutaire, en ce sens que malheureusement on a détecté 15 cas. Comme l'a dit mon cher ami, il va falloir peut-être les confiner, les mettre en quarantaine pour qu'ils nous reviennent en bonne santé. Et bien évidemment, il faudrait au-delà de ces agents qui sont malades, voir dans quelle mesure s'intéresser également à leur famille et étendre tant que faire se ce peut. Hein, c'est-à-dire dans leur rayon, dans leur environnement. Exactement. Et il faudra faire la désinfection aussi bien à l'Africa Foot que dans les domiciles. Vous gardez la parole, les présents avec vous. On va parler du tournoi international de la solidarité qui pointe à l'horizon. Ce sera un tournoi de pré-saison organisé par François Ngoumou, Bertrand Don, votre humble serviteur, bien d'autres personnes. Vous avez déjà marqué votre OK. Ce sera une bonne chose autour de la troisième semaine de septembre prochain. Tout à fait, tout à fait. Je crois que
comme vous le savez, ça fait déjà pratiquement 3 mois que les enfants sont confinés. Bon, nous avons bon espoir que d'ici la fin du mois de juin, on aura des bonnes informations concernant d'abord la fin de la saison 2019-2020 et peut-être l'horizon où le championnat va reprendre pour la saison 2020-2021. Allez-y, président. Oui, vous me demandiez. Pour le tournoi de la solidarité, est-ce que Fauvazu, Max sont OK? Par rapport à ce tournoi-là, nous avons donné notre OK. Parce que nous pensons que après les 3 mois de confinement, et une fois qu'on aura levé ce confinement, ou bien allégé ce confinement, nous pourrons reprendre avec la préparation physique, en espérant que à l'arrivée de la date du tournoi, ça permettra à nos enfants de passer à la phase de mise en place technique tactique et surtout jauger nos qualités avant le démarrage même du championnat. Et en ce temps de la Covid, comment vous avez fait avec vos joueurs? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir vos joueurs la saison prochaine? Est-ce que vous avez mis un petit quelque chose à leur disposition pour qu'ils évitent de se retrouver un peu partout? Est-ce que le président a fait un petit geste? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons planifié et tout dès lors que l'Africa Foot nous avait annoncé qu'il y avait confinement. Et ça fait que, bon, le club s'est battu en attendant, bien entendu, que l'État du Cameroun décline la subvention de. Mais il y a eu 350 millions, c'était pourquoi? Non, ça c'est la subvention destinée au fonctionnement, au fonctionnement du football professionnel. Ce n'est pas la subvention destinée au paiement des salaires des joueurs encadreurs. Là, ça fait une bonne précision, hein, parce que ça allait un peu dans tous les sens. Président. Absolument, il faut bien toujours préciser les choses. C'est ce qui a... Non, les gens créent l'amalgame inutilement. Oui, inutilement, effectivement, ouais. Inutilement. Donc, ce que j'avais fait au niveau de Fauvazu Elite, c'était de dire aux enfants, OK, en attendant que la subvention arrive, nous, on va se battre, on va même au besoin s'endetter. Et puis les salaires vont sortir. Et même si ça sort petit à petit, en tenant compte du fait que bon, ben, vous êtes confinés, on allait faire en sorte que jusqu'au mois de juin, vous allez recevoir les salaires régulièrement. Et ça peut, je peux dire aujourd'hui que nous avons épuisé le paiement de ces salaires-là pour toute la saison. Même si certains mois sont arrivés en retard, ça fait que les enfants ne sont pas. Aller les comme les autres des autres équipes. Voilà, voilà. C'est compliqué. Hein? Vous savez, c'est aussi le management. Et ça doit se faire au niveau de chaque club. J'ai même eu à revoir aussi pour certains qui étaient en fin de contrat, qui étaient nos joueurs cadres. J'ai essayé de faire en sorte qu'en bonne entente, on renouvelle leur contrat. Et en renouvelant celui-là, management par anticipation. Voilà. On va en parler tout à l'heure, président, en dernière partie de ce programme. On voulait juste vous arracher quelques vers d'une coach. Limitement, on parle de ce tournoi international de la solidarité. Vous qui êtes un entraîneur de haut niveau, on vous a vu habituellement, on vous a vu un peu partout en sélection nationale. Coach, on sait qu'on a souvent les difficultés en campagne africaine. Le Cameroun a perdu 2 places. Un tournoi comme celui-là, Coton a souvent un problème, par exemple, d'adversaire, de sparring partner, où il se retrouve en campagne africaine sans véritable main dans les jambes. Un tournoi comme celui-là est la bienvenue, coach Libidoma. Oui, bien sûr, parce que je pense que pour être au top, c'est au fil des matchs que le reste suit, surtout quand on a eu une très très bonne préparation. Je pense qu'après, il faut jouer. Et c'est en jouant que les automatismes naissent et on retrouve vraiment le bon palier. Billy, c'est votre couloir dans le cadre de la détection. Ça peut vous donner un bon palier pour juger les joueurs, pour commencer à voir avec qui vous pouvez travailler durant la saison. Oui, c'est toujours important. Vous savez que les tournois comme ça, des équipes en ont besoin pour essayer de préparer leur saison. Parfois, en début de saison, vous avez des joueurs qui sont arrivés, qui sont soumis à l'essai. Et il faut réellement les apprécier. Donc pour apprécier, il faudrait qu'ils jouent des matchs amicaux contre des équipes que vous allez rencontrer en championnat. Donc c'est un tournoi qui est la bienvenue. On espère tout simplement que les organisateurs feront tout ce qu'il faudrait
pour que ce tournoi se déroule bien. Bien qu'il y ait encore des difficultés pour obtenir les aires de jeu, on sait que le stade de Nguayaquil a été confiné à la COVID, le stade annexe, le ministre des Sports est jaloux de ces infrastructures-là. C'est très compliqué, mais on continue quand même les démarches pour permettre au public de Yaoundé de vivre un spectacle de haute facture, de revivre le football sur les stades, parce qu'après ces 3 mois, beaucoup ont peut-être perdu le goût de se rendre dans les stades. On va parler d'elle, c'est une lionne indomptable du Cameroun, Ballon d'Or 2015, et c'était son anniversaire il y a quelques jours, et sur son compte officiel, on s'est rendu compte qu'elle a mis des haines de ce côté, ça veut dire qu'elle mettait un terme à sa carrière internationale. Il faut peut-être le préciser, Gaëlle Deborah Enganamut. Et pour cela, notre rédaction, via Marina Kogvina, s'est planchée sur la situation. On prend ce reportage de Marina Kogvina et on se retrouve derrière. Clap de fin pour Gaëlle Deborah Enganamut, le numéro 17 des Lions indomptables de football, a mis fin à sa carrière professionnelle ce 9 juin. Le Ballon d'Or africain 2015 a fait l'annonce sur sa page officielle Facebook « Fin pour tous ». Rien de surprenant pour les amoureux de l'équipe nationale de football du Cameroun qui entrevoyaient déjà cette retraite internationale. Pour cause, des apparitions sans impact à la Coupe d'Afrique des Nations 2018 et au Mondial français en 2019, tous ces maillots de blessures présageant déjà cette issue. Considéré comme l'une des plus grandes de sa génération, l'attaquant d'1m71 se révèle véritablement au grand public lors du Mondial canadien 2015. Première participation pour le Cameroun, la Benjamin d'une famille de 9 inscrit son premier triplé le 8 juin face à l'Équateur en match d'ouverture de la compétition. Une performance qui lui a valu la reconnaissance de tout un peuple, mais aussi de la Confédération africaine de football, qui lui décerna la même année le titre de meilleure joueuse africaine. Son parcours professionnel avec le vert rouge est jalonné de distinctions. Vainqueur des Jeux africains Maputo 2011, finaliste des Coupes d'Afrique des Nations 2012, 2014 et 2016. À l'international, ses passages au Spartak Subotica en Serbie, au FC Rosengard et Eskilstuna United en Suède, Advanes en Norvège, Malaga en Espagne puis au Dalian Quanja en Chine sont aussi prolifiques. Avec 47 apparitions pour 10 buts en équipe nationale, la promotrice de la Fondation Enfants des Rails raccroche ainsi les crampons de l'équipe nationale du Cameroun après avoir essuyé plusieurs hivers. Coach Libby Thomas, on n'a pas vu le temps passer à 28 ans, la fleur de l'âge. On sait qu'après son sacre en 2018, elle a multiplié les blessures. Elle n'a plus jamais pu retrouver son vrai niveau, Gaëlle Enganamut. Sacre 2015. Sacre 2015, donc c'était prévisible. Oui, c'était prévisible, surtout que lors de cette blessure, on lui a donné le temps de récupérer, mais c'était à elle d'être intelligente, parce que je pense qu'elle s'est contentée d'aller de compétition en compétition sans toutefois être prête. Break. Voilà, donc pour moi, c'était un peu compliqué. Et que prendre la retraite à cet âge, quand même, pour moi, je trouve un peu que elle avait encore. Mais c'est la retraite internationale, donc elle peut continuer en club, mais l'équipe nationale est dignette. Bon, c'est que 28 ans. Hein. Ça ne sera pas évident, surtout qu'aujourd'hui, elle a pris un peu de galons, donc c'est un peu compliqué. Donc pour moi, je pense qu'elle aurait pu continuer à jouer, que ce soit à la scène internationale ou. Pour moi, je pense qu'elle a beaucoup de qualité. Elle a encore le potentiel qu'il faut pour pouvoir apporter. Mais bon, c'est dommage que quand on a des blessures enchaînées comme ça, je pense qu'après, il faut s'arrêter. Sinon, après, on finit sur une chaise roulante. Billy, il y a quand même que ses proches nous font savoir qu'elle ne disait pas qu'elle arrête sa carrière internationale. C'était son anniversaire. Elle a voulu dire que c'est le moment. Et finalement, d'aucuns ont analysé ça qu'elle mettait un terme et elle ne peut plus reculer parce que l'information est propagée pratiquement dans tout le monde entier. Non. Non. Je crois que déjà, son message était un peu énigmatique. Elle dit de end, thanks for all. Merci pour tout. Après, j'ai eu des doutes, j'ai pensé comme vous, parce qu'effectivement, c'était son anniversaire. Mais quand j'ai vu l'interview que son père, entre guillemets, Enon Gachou a accordé à vos confrères, et j'ai vu une réaction de sa coéquipière, dont elle est très proche, Chouta Diarra, j'ai compris que c'était la réalité. Après, si c'était un faux message, vous faites une communication pour annoncer. C'est quelque chose qui est aussi facile. Si on a mal analysé, vous faites une communication. Vous n'arrêtez pas de jouer au football parce que les gens ont analysé une mauvaise communication. Non, c'est pas ça. En fait, moi, je dis que c'est un arrêt prématuré.
Il y a beaucoup de pincements au cœur parce qu'à 28 ans, on se dit qu'on a encore beaucoup à donner. Mais je dirais aussi qu'elle a été honnête. Elle a été honnête parce que le cœur peut vouloir, la tête peut vouloir. Et lorsque le corps dit qu'il ne peut plus, franchement, il faut arrêter. Et comme le disait le coach Libi, après son excellente Coupe du Monde au Canada en 2015, son triplé contre l'Équateur, sa très belle saison qu'elle fait avec Eskilstuna en Suède, où elle est d'ailleurs meilleure buteuse de ce championnat, qui est un championnat de référence en termes de football féminin. 2016 a été une année difficile pour elle. Elle a traversé des périodes vraiment difficiles. Après, il y avait un choix à faire qui était celui soit de revenir jouer la CAN et se soigner en club. Elle a décidé de revenir jouer la CAN pour son pays. On a accéléré le protocole médical et ça a créé ce que ça a créé aujourd'hui. Je crois que son genou n'est plus correct. Après 2016, elle va en Chine, elle revient en Norvège, elle repart en Espagne. Mais on se rend compte que ça ne suit pas. Un coup, elle a joué deux matchs, elle a marqué un but. Après un coup, on vous dit qu'elle est à l'infirmerie. Après, elle se fait opérer. Elle a été honnête parce qu'une autre pouvait encore se dire, moi, je vais continuer de jouer. Je vais encore gratter deux ou trois contrats quelque part de par ma statut. On va encore me l'accorder. Je viendrai encore jouer en équipe nationale. Mais elle s'est dit, voilà, je vais être honnête envers moi-même. Je vais arrêter parce que mon corps, c'est mon corps qui me commande et mon corps me demande d'arrêter. Gaëlle, c'était une icône. Je vais le dire comme ça, une icône du football féminin au Cameroun. Vous savez qu'elle est l'égérie de plusieurs grandes marques. Jamais on ne l'avait vue. Quand vous avez Diageo, voilà, Guinness, vous avez signé un contrat avec l'équipementier Puma. Jamais on l'avait vu. Première footballeuse Ballon d'Or, football féminin au Cameroun. Je crois que ça n'avait jamais été le cas. On l'a vu plusieurs fois lors des cérémonies organisées par la CAF, même en présence du président de la FIFA, avec de grandes gloires du football africain, Didier Okocha, Wanko Kanu, Samuel Eto'o. Donc, elle est ce qu'elle est. C'est vrai, elle est sortie. On a un pincement au cœur, mais elle reste une icône. Et j'espère seulement qu'elle a su préparer sa reconversion et qu'elle parviendra à se mettre dans une situation de give and back, c'est-à-dire que je donne au football ce que lui, le football, il m'a donné. Parce qu'aujourd'hui, elle a une fondation, elle a une académie. Peut-être qu'elle va se mettre à la disposition de ces enfants-là pour que parmi ces enfants-là, on puisse avoir une autre Gaëlle de Bohenga Namuit. Président Nya Kamendio Norbert, on parle de cette retraite anticipée de cette icône du football féminin au Cameroun. Oui, c'est avec beaucoup de pincements au cœur qu'on apprend ce genre de décision. C'est douloureux, mais on lui consent. C'est sa décision à elle. Je pense qu'elle a dû mûrir cette décision-là au regard de tout ce qui a été déjà dit sur ce plateau. C'est-à-dire que bon, sa santé ne suit pas, surtout son genou. Et de commencer, je dirais plutôt vraiment merci l'artiste pour tout ce qu'elle a donné comme joueur camerounais et tout ce qu'elle a donné comme espoir aux jeunes filles camerounaises qui sont engagées dans le football. Bon, j'espère également que à travers sa fondation qu'elle a mis sous pied, elle va continuer à porter beaucoup au football féminin camerounais et je lui souhaite vraiment bonne chance. Comment on peut la récupérer? On peut l'utiliser autrement? On peut l'utiliser autrement dans l'encadrement du football féminin camerounais. En plus de ce qu'elle fait déjà au niveau de son centre de formation. Parce qu'on a besoin des gens d'expérience, des gens qui maîtrisent ce dont il est question. Et je pense que quelqu'un comme elle, qui a même un carnet d'adresse et qui a été beaucoup appréciée par les jeunes au moment où elle était sur le terrain, ça peut faciliter beaucoup de choses en termes de passage de témoins. Si elle venait à retrouver soit l'encadrement des jeunes filles, et soit la gestion technique, en tout cas il y a beaucoup de postes à prendre. Billy, vous collez un mot ? Qu'on ressorte sur le sujet. Oui, comme le dit le président, il y a beaucoup de jeunes filles qui s'identifient à elle aujourd'hui. Je voudrais être comme Gaëlle, mon idole c'est Gaëlle. Ça veut dire tout ce qu'elle représente même pour la jeunesse camerounaise, même pas dans le football féminin, mais dans d'autres sphères, surtout même pour la gente féminine. Et maintenant pour la sortie, je crois que lorsqu'on prend une décision pareille, est-ce qu'on la mûrit
et que voilà, on a préparé déjà la reconversion qu'on fera au fur et à mesure, parce que j'espère seulement qu'elle ne sortira pas du football, parce qu'elle a encore beaucoup à donner. Si elle a arrêté de donner sur les terrains, elle peut le donner en dehors des terrains. Il y a l'administration, il y a l'entraînement, il y a beaucoup d'autres choses. Alors en foot aujourd'hui, on vous parle de la formation des métiers liés au football, donc là, sa reconversion, il faudrait qu'elle prépare bien cette reconversion. Mais moi, je dis qu'à un certain moment, les médias ne l'ont pas accompagné, c'est la vérité. Après, chacun peut dire ce qu'il pense. Mais quand j'ai vu la foudre qui s'est déversée sur elle lorsqu'elle avait été sélectionnée pour la Coupe du Monde 2019, réellement, moi, j'ai eu mal. Parce que c'est une fille qui, elle est dans une situation aujourd'hui, en partie, il y a une responsabilité de l'équipe nationale du Cameroun, de l'État du Cameroun. Parce qu'elle aurait pu ne pas venir jouer la Coupe du Monde. Le Cameroun qui a forcé la CAN en 2016, le Cameroun a forcé Gaël. C'est pas Gaël qui a forcé pour revenir. Parce que son équipe s'était opposée. Voilà, son équipe s'était d'ailleurs opposée. L'entraîneur Enyongatou, il a insisté. On a accéléré le protocole médical. Elle n'était pas vraiment guérie. Elle est venue, elle s'est encore étouffée. Je me rappelle encore de ce match contre l'Égypte où elle est sortie. On a essayé de faire un massage. C'est qu'elle s'était étouffée. On a forcé. Comme on dit souvent, on a attaché le genou. Elle jouait sous infiltration. Et après, lorsqu'elle est rentrée en club, ça n'a pas suivi. Elle est allée en Chine, elle n'a pas pu enchaîner. Donc, le Cameroun a une part de responsabilité dans le fait qu'elle ait arrêté de jouer au football aujourd'hui. Et vraiment, il faudrait qu'on soit reconnaissant de ce qu'elle nous a donné à nous. On va peut-être avancer dans ce programme. Et pour avancer, on va de l'autre côté, on prend une respiration et on revient par le Mondial 97. On parle de cette compétition-là, la compétition qui a permis au Cameroun ou encore à l'Afrique de devenir grand et de glaner quelques places. Il y avait, ou encore il y a 30 ans de cela, c'était le 8 juin, lorsque Libi Thomas et les siens rentraient sur la scène pour ce qui est de cette compétition-là et personne ne vendait cher la peau du Cameroun. Et c'était face à un orgue, pour ne pas dire l'Argentine, avec un Diego Armando Maradona au sommet de son art. Avant de donner la parole, avant de revenir pour revivre cette compétition, la préparation jusqu'à la compétition, on se rappelle encore avec les Albert Roger Mila qui était pratiquement contesté, mais qui est venu arracher sa place à la veille de cette compétition-là. On va repartir de l'autre côté, on va prendre ce reportage qui est signé par Marina Corvina qui revient dans ces épisodes-là, qui revient dans cette compétition-là 30 ans après, et on se projette dans ce studio. And with it. Le 8 juin 1990 est une date mémorable pour l'Afrique et bien plus pour le Cameroun. En match d'ouverture du mondial de football italien, le champion d'Afrique 88 affrontait alors un autre champion, l'Argentine, détentrice du trophée, dont la seule évocation donnait des frissons à l'adversaire. Héritant d'équipes coréennes sans les stars de la Roumanie, de l'URSS, finaliste de l'Euro 88 et surtout de la Biceleste, les représentants du vert ou jaune croquaient alors un dur morceau à l'entame de la compétition. Champion du monde en titre, Diego Maradona et sa troupe s'attendaient à une entrée fracassante face au double champion d'Afrique 84-88. Ayant vécu cette rencontre en direct, le sexagénaire Okala n'oublie pas alors la peur qui l'animait au début du match, surtout avec les jonglages de Maradona pour amuser la galerie. En entrant même au stade, on avait la frousse, on avait la peur, mais dès qu'on a commencé les matchs, les gars, l'Argentin a commencé à nous montrer ce qu'on ne pouvait même pas supporter. Vers le milieu de jeu, on s'est rattrapé, bon, on a pris le match jusqu'à marquer un but. C'était vraiment une joie de notre part, de ma part surtout, les Camerounais. Donc on a pris le match. À la fin, vraiment, le Cameroun était... Tout le Cameroun était en joie. Fan des Lions indomptables de la génération 90, Oussedi se souvient encore du fantastique but de François Omambik malgré les cartons rouges reçus par les Lions indomptables. Ouais, ça a passé bien. Contre les Jardins, on a battu très bien. Et ça a passé très bien. Même. C'est moi-même, avec les têtes, contre Argentin, Maradona. À ce temps-là, c'est ça que. Et on tacle les joueurs par derrière. Bon, Satan l'a dit que c'est quand on tacle maintenant, là, on donne le carton rouge. Les poulains du soviétique Valérie Nepounachi sont entrés dans l'histoire en causant l'une des plus grosses surprises de la Coupe du Monde.
champions Argentina. A wonderful climbing header by Oman Vieh. Another goalkeeper in trouble this time. Des moments inoubliables, il y a un témoin oculaire qui a vécu de bout en bout cette compétition. On va lui dérouler un peu le tapis hein, et ce sera tout le monde. Si vous avez une question, président, vous allez poser au coach. Billy, si vous avez une question, vous allez poser au coach parce que c'est un moment exceptionnel et c'est des moments qu'on devra immortaliser sur ce plateau de H-Foot. Coach, parlez-nous d'abord de la compétition, de la préparation. Jusqu'à la veille de ce match-là, on sait que en Yougoslavie. Bon ben, nous étions déjà partis du Cameroun dans des conditions un peu très très compliquées parce que toujours il y avait beaucoup de problèmes, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'équipement, il y avait beaucoup de choses qui rentraient en compte en principe. Donc nous sommes partis du Cameroun pour la Yougoslavie et en Yougoslavie quand nous sommes arrivés, c'est vrai qu'on avait, comment on l'appelait. Maître Lee, c'était né pour nous ici. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Il disait jamais rien, mais il réagissait beaucoup. C'était sur le terrain. Il avait une façon de faire. C'était son calme. Ce qui l'intéressait, c'était ses joueurs. C'était de travailler. Et je pense que quand nous sommes arrivés en Yougoslavie, nous avons été. Nous avons commencé. C'était tout le groupe ? Oui, c'était tout le groupe. Non, pas tout le groupe. Nous sommes partis déjà, nous, du Cameroun. Les professionnels n'étaient pas encore là. Donc, quand nous sommes arrivés en Yougoslavie, on a commencé le travail. On a commencé la préparation qui avait été très, 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 très rude. Il y en a qui ont abandonné, à mi-parcours, et qui ont demandé de. Retrocession, hein ? Oui. Et après, on a eu l'arrivée de Roger. Il arrive comment ? Bon, déjà, Roger arrive. Déjà, il part du Cameroun avec, je pense qu'avec paix à son âme, le docteur Moutazier, et je pense qu'avec avec le ministre. Donc, quand ils arrivent à Paris, le ministre, ne sachant pas quoi dire au groupe, il est resté à Paris et il a fait avancer Roger. Et c'était compliqué. c'était très compliqué. Donc, quand Roger est arrivé, c'est vrai que c'était pas de gaieté de cœur parce que quand il est arrivé, c'est vraiment dommage. Mais bon, que ceux avec qui il avait joué à l'époque, dont ses coéquipiers, parce que nous étions un peu loin derrière, ne l'acceptaient pas dans le groupe. C'était vraiment dommage. Mais bon, je pense que c'est quelqu'un de très costaud. Donc, qui n'a pas baissé les bras. Donc, il est rentré dans le bain. On a continué la préparation. Surtout que Neponiachi nous avait. Il avait demandé que l'équipe soit en dehors des ballons pendant pratiquement 6 semaines. Ce n'était que la préparation, sans voir le ballon des yeux. Combat militaire. C'était très compliqué. Des fois, on courait, on se perdait un peu dans cette forêt-là, mais bon, on arrivait toujours à revenir par des chiens policiers qui, après, nous retrouvaient d'une certaine façon. C'était vraiment très, très compliqué. Mais bon, après, les professionnels sont arrivés quelques mois après, surtout qu'il avait essayé de larguer déjà au moins 2 groupes qui étaient repartis, parce qu'on avait... les gens ne tenaient pas la route. Et donc, après, quand on a commencé des matchs amicaux, je pense que Roger, comme ça, rentre dans un match, et nous marque 3 buts. C'est Roger qui était vomi par ses amis, par ses anciens amis et coéquipiers. Oui, voilà. Mais parce bon. Qu'il y a Mabouan Kessa qui nous fait savoir qu'il n'y avait même pas 2 joueurs qui étaient pour que Roger rejoigne le groupe. Non, ça c'est clair. Mais sauf que maintenant, il avait les plus jeunes du groupe qui, on allait de temps en temps s'asseoir dans sa chambre pour discuter avec lui, parler avec lui, parce qu'on savait que lui, quand il est sur le terrain, quoi qu'il arrive, on sait que si c'est une prime de 100 000, on l'aura même s'il reste 2 minutes. Donc, il est rentré dans le bain, ça s'est passé comme ça a pu se passer. Et puis, je pense que tout s'est remis à l'ordre. Et à l'arrivée en Italie ? Arrivé en Italie, je pense que les problèmes des primes ont commencé. Je pense que peut-être 5 ou 4 jours. C'est vrai que le groupe est resté très, très solidaire. Parce que quand on a commencé l'histoire des primes, Bell avait commencé à être un peu menacé d'une certaine façon, où on le réveillait
à 2h, 3h du matin pour lui remettre son billet d'avion pour qu'il rentre. Parce que le Cameroun, ceci, machin disait ceci, ça venait dans tous les sens. Mais bon, nous sommes restés très très solidaires. On avait même décidé de dormir dans une seule chambre. On avait même décidé de dégager les entraîneurs, d'écarter les entraîneurs. Et on commençait à s'entraîner un tout petit peu seul pour essayer d'apporter, de mettre un peu le feu dans la maison, pour mettre le feu à ces dirigeants-là. Mais sauf que, bon, nous sommes restés très très solidaires, à ne pas se perdre, à rester concentrés, parce qu'on voulait vraiment tous jouer cette Coupe du Monde-là. Et je pense que après nous nous sommes remis tous ensemble avec les entraîneurs de tout le monde pour pouvoir faire face. Dans la même direction. Voilà. Et puis on a vu, le ministre nous a parlé, tout le monde nous a parlé. C'est vrai, ce n'était pas ça, mais bon, on a eu le Cameroun d'une certaine façon, où on nous a rassurés sur un certain nombre de choses. Donc c'est comme ça qu'on a pu se remettre ensemble et pour essayer de regarder tous sur dans la même direction. La même direction. Oui. Il n'y a qu'à la veille de ce match. Quelque chose se passe. C'est Jojo qui a annoncé titulaire et finalement patatras. D'aucuns estiment qu'il avait fait. Bon, mais une déjà, sortie. Jojo n'était pas annoncé titulaire à la veille du match. Jojo, après la Coupe d'Afrique 1990 à Annaba, je pense que tout est parti de là dès que nous nous sommes retrouvés. Nepomniachtchi, même avant le début du stage, il avait déclaré que c'était Bell qui était le gardien numéro 1 et Tommy qui était le gardien numéro 2. Même si Tommy était venu avec son entraîneur de gardien de Barcelone à l'époque, parce que c'est vrai qu'il fait une très mauvaise Coupe d'Afrique et tout de suite il se sent mal et il vient avec son entraîneur. Et arrivé en Yougoslavie, une fois Nepomniachtchi avait déclaré que c'était Bell qui était l'entraîneur numéro 1, il a fait rentrer son entraîneur, il est rentré dans un découragement terrible. Mais bon, il travaillait pas par à coup, il travaillait pas tout le temps. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont passées à la veille et le jour du match. Là, c'était politique, là, c'était autre chose. C'était pas à notre niveau. Parce que non seulement ça, le jour du match, nous avons la réunion technique qui était prévue entre 9h et 10h. Elle a eu lieu vers 11h30 midi. Et Nepomniachtchi a donné sa liste des 10 sans donner justement le 11e joueur, qui était le gardien de but. Et il fallait faire le TOSC ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? On le lui a rappelé. Et c'est comme ça qu'il se retourne pour dire que c'est Tommy qui allait jouer. Scandale. Alors que ce matin, Tommy devrait aller attendre sa femme justement à Milan. Et c'est nous qui lui avons dit non, le Cameroun va très passe mal. Devant. Le Cameroun va très mal. Donc il faut rester et aller jusqu'au bout parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc c'est comme ça que Tommy est surpris de lui-même d'être titulaire ce jour-là. Donc peut-être c'était la surprise du chef. Président, est-ce que... Oui, je voudrais quand même poser une question. Oui, allons-y. Parce que moi, personnellement, j'avais vécu... Cette compétition-là. Cette compétition, surtout la première journée, pour une surprise que je qualifierais de désagréable. Et je ne sais pas, peut-être ils vont nous donner des informations là-dessus. Allez-y, président. Parce que c'était la première fois que je voyais les Lions indomptables arborer un maillot ouvert avec les couleurs blanches dessus. On a toujours eu à avoir des maillots, on a des assortiments, mais qui cadrent toujours avec nos trois couleurs. Mais sauf que là, on se retrouve avec les bandes blanches un peu partout là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que les deux Coupes du Monde, nous les avons effectivement jouées avec les maillots d'entraînement. Ah. Que ce soit en 90 ou en 94. Parce que l'équipementier n'a jamais été accepté. N'a jamais été accepté en avant parce que les négociations sont toujours restées sous cap. Voilà, et jamais on a su exactement de quoi il était question. Parce que même quand vous regardez, même nos sous-vêtements, on sort avec des sous-vêtements quelquefois noirs. Ouais. C'est des sous-vêtements, c'est des choses de dernière minute, tout ça, c'était les équipements d'entraînement. Parce que l'équipementier n'a jamais été accepté en avant, les discussions ne sont jamais passées, ça a toujours été des lobbying terribles. Donc, seuls les dirigeants savent de quoi il est question, mais nous, on prend ce qu'il y a et puis on fait avec. On parle de ce premier match-là à la sortie des vestiaires, ou encore au niveau du TOSC. Diego Maradona, El Pipo de Oro, a
commencé le cycle. Si au sommet de son art. Au sommet de son art, commencer le cycle. Bon, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que déjà, ça a motivé les gars? Est-ce que déjà, les gars se sont retranchés? Déjà, moi, je ne voudrais pas revenir là. Je revenais déjà sur le toast et ce que Diego a produit, non? Et il faut commencer déjà par les vestiaires. Parce que ça n'a pas été facile. Déjà, dans les vestiaires, ça a été très, très dur. Comment ça? Ça a été très dur parce que l'Argentine était arrivée avant. Et nous sommes arrivés après et nous avions les mêmes vestiaires. Et Diego Maradona est arrivé après les deux équipes. Alors là, c'était quelque chose de formidable. Quand il est arrivé, l'Argentine tout passait au moins 10 caps au-dessus. Parce que c'était... Nous-mêmes, on était ébahis, on était... On l'admirait. On l'admirait, en fait. Parce que petit que nous étions par le passé, on le voyait à la télé, se retrouver avec... Un individu comme ça, c'était un peu compliqué. Mais on avait les habitudes de la compétition, qui étaient Roger, Koundé, Mila. Qui vous ramenaient. Voilà, on essayait de regarder un peu leur façon de faire et on se cachait un peu derrière. Mais après, nous nous sommes réunis. Roger, Joe, ils nous ont appelés, ils nous ont dit, les gars, c'est un match de foot, c'est le Cameroun que je sois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous nous sommes mis... En sanglots, on a commencé nos chansons militaires, à taper dessus, à taper les murs, tout ça. On a commencé question de chasser le stress. Ouais, le stress. Et à la fin, on s'est rendu compte que l'Argentine a quitté les vestiaires. Donc vous avez gagné à ce niveau sur le plan psychologique. Oui, et c'est parti de là. Et coach, je voulais encore que vous nous rassuriez. On nous a fait savoir que dans cette équipe, il y avait un coach. Soit vous parlez en pidgin, soit vous parlez et vous choisissez une langue pour pouvoir communiquer. On parlait beaucoup plus Bassa et Wondo et pidgin. Donc c'était les trois langues qui passaient. Tout le monde pouvait te dire moi en Wondo, tout le monde pouvait te dire moi en pidgin ou en Bassa. Ça c'était ça. Et donc, ça faisait vite passer le message. Vous cachez le message à la Ben voilà, c'était ça. Une bonne stratégie. Et bon, parlons de la compétition en elle-même après ce match. Bon, comment ça se passe? Parce que Oman Biyik a essayé d'expliquer comment, dans sa prise de décision sur ses 2,97 m, qu'il a pu bondir pour abattre le ballon au fond des filets. Comment ça s'est vécu? Comment ça s'est passé ce premier match avant d'enchaîner avec les autres? C'est vrai que ça n'a pas été du tout facile pour nous, mais je pense que on a su le gérer d'une façon. Je pense pas que c'était sur le terrain, mais je pense que c'était sur le mental. Et je pense que c'était très, très important. Parce qu'après, le jour où j'ai commencé à dormir, nous sommes couchés même sol. Est-ce qu'on va arriver? On va arriver. C'est compliqué. Mais bon, je pense que nous sommes très, très courageux. Et nous sommes allés jusqu'au bout. Donc, Albert, je veux dire, silence de l'ombre sur le plan. Non, tous ces grands-là. Ils ont été d'un apport. On parlait sur ce dernier match face à l'Angleterre, ce match des quarts de finale. Bon, déjà, les hooligans étaient restés en bas de l'hôtel toute la nuit pour nous empêcher de dormir. Ils criaient, ils chantaient, ils ont chanté toute la nuit. Oui, parce qu'en fait, ils sentaient déjà que le Cameroun était une équipe sérieuse. C'est ça. Donc, ils chantaient toute la nuit. Sauf qu'après, bon, que nous, on a... On a gardé notre sang froid. On a dit il faut y aller. Sauf que le discours d'avant-match des dirigeants de l'époque, je pense que nous a déstabilisé un tout petit peu. Parce que même avant d'aller au match... Le ministre a dit qu'il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent. Non seulement il n'y avait plus d'argent, mais qu'on avait fait ce qu'aucun pays africain n'avait fait par le passé. Donc on pouvait même s'arrêter. Voilà. Et en plus, on avait déjà passé 4 mois dehors. Donc tout le monde voulait rentrer voir sa famille, tout le monde voulait revoir les siens, donc c'était un peu compliqué. Parce que même quand on marque le deuxième but, on se regarde, on se dit, mais c'est pas possible. Encore dans ce pays, pendant 2 semaines, pour faire quoi? Il y a un coup du monde à gagner. Voilà. Donc ça s'est joué à un certain niveau hors du stade. Oui, ça s'est joué à un certain niveau. Ça s'est joué à un certain niveau. Et puis maintenant, je pense que sur le terrain, on a... Je peux me tromper, mais je pense que... On a perdu parce que, non seulement ça s'est joué à un certain niveau, mais parce que parmi les joueurs, je pense qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais ça s'est passé ailleurs.
parce que il y avait on avait déjà 3 ou 4 qui avaient des cartons qui ne devraient pas jouer le prochain match. C'est un qui devait rentrer en principe en demi-finale. Est-ce que ça devrait être ça? Est-ce que ça ne devrait pas être ça? Donc, il y a beaucoup de calculs. Il y a beaucoup de calculs. Anecdote que vous retenez de la compétition, ce qu'on n'a jamais dit à l'antenne, vous pouvez quand même nous dire ici. On va s'arrêter à cela. Une anecdote de cette compétition pour vous. Non, je pense que le plus important, c'est le courage que nous avons eu dans cette compétition-là. Et qu'aujourd'hui, on le doit en principe au Cameroun, parce que je pense que le Cameroun nous a porté haut. Je pense que c'est ça le plus important. Johnny Rep dit qu'on lui doit encore de l'argent. Qui va lui payer cet argent? Si on lui doit de l'argent, c'est qu'on nous doit tous de l'argent. Donc le reste, il n'y a pas de souci. Billy, vous collez quand même un mot. Hein. C'est très passionnant, surtout lorsqu'on a des bons clients. C'est comme si on était là, mais nous, on n'était pas là. C'est présent. Ouais. Vous dites d'abord quelque chose par rapport à ce que vous avez retenu de la compétition, parce que vous les avez vus jouer, vous les avez adulés, vous les avez encouragés. Peut-être que vous étiez même à côté. Non, effectivement, c'est que ça a toujours été c'était une très grande fierté pour moi depuis cette sacrée prestation de rencontrer tel ou tel lion indomptable qui était de la QV. J'ai eu le si honneur d'avoir travaillé pendant un bon bout de temps avec celui Paul Fédé, père son âme. J'étais l'administrateur du directeur général de la Panthère. On lui avait tendu une perche. Il est venu, il a coaché l'équipe pendant toute une saison. Je me rappelle toujours comment ça se passait, on rigolait même très bien. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre, une autre icône, Emmanuel Koundé. C'est aussi quelqu'un, j'aimais bien dans son style d'intervention sur le stade, très posé. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer souvent Amir Bouman, on a échangé. Et aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur d'avoir également dans Fauvazu Elite un certain Koundé Oumaniel Junior. Son fils Junior. Voilà, voilà. Votre centre avant. Tout à fait, tout à fait. Et il y a Libby Thomas qui, lui, il est là. Il n'est plus à. Il n'y a pas d'autres commentaires que je puisse encore ajouter. Billy, vous collez un mot quand même. Nous sommes dans un vintage. Ouais. C'est aussi ça, l'émission est véritablement relaxe. Ouais. On a découvert beaucoup de choses dans l'intervention du coach. Ça veut dire, avec vous, on va peut-être interroger cette question de prime qui est éternelle, ces problèmes administratifs autour des sélections nationales. Si le coach Libby Thomas, en 90, il y a 30 ans, on en parlait déjà, et qu'aujourd'hui, on se retrouve en train de parler des mêmes choses, c'est pratiquement la rigide dans ce milieu du football. Oui, ben, vous savez, nous sommes entourés par des mots MAUX qui minent notre football. Je parlais ce matin d'inertie, d'impunité, parce que comment vous estimez que 30 ans après, quand on se retrouve à avoir les mêmes récriminations, les dirigeants ont changé, que ce soit à la fédération ou au ministère, mais on a gardé les mêmes mentalités, c'est-à-dire que c'est un problème qui est systémique. Et personne n'a jamais pu résoudre cette affaire. C'est très négatif. Quand vous lisez la une du jour ce matin, sans publicité, vous comprenez que le mal est réellement profond. Et qu'avant 90, il y avait déjà ce problème. Il y avait déjà ce problème. Et c'est d'autant plus gênant lorsque Libby Thomas, qui est ici présent, vit encore cette situation parce qu'il y a eu toujours des problèmes de primes avec les cadets dont il a eu la charge. Il était champion d'Afrique. Donc, à un moment, on se dit, c'est l'exécutif de Tommy, c'est l'exécutif de Sibou, c'est l'exécutif de IA. Mais les mêmes problèmes. C'était tel ministre, c'était Bidoum, c'était Edouard. Mais on rentre en arrière, on ne fait que rentrer en arrière, on rentre en 82. Peut-être que même en 72, on vous parlera des histoires de primes. Ouais. Voilà. Donc, ça fait qu'à un moment, on se dit, est-ce que c'est une malédiction? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et vivement que nos gouvernants, que ceux qui ont la charge de manager ce football-là, se pose de réelles questions, parce que c'est un pavé qu'on jette comme ça dans la mare. On commémore cet événement, mais derrière cet événement, il y a de réelles questions qu'il faudrait qu'on se pose. Lorsqu'on revoit 90, on est content d'être Camerounais. Moi, je n'ai pas vécu cette affaire. Par exemple, problème de maillot, comme j'étais des maillots d'entraînement. J'étais il n'y a pas d'accord avec l'équipementier. J'étais encore bébé, mais après, quand vous grandissez, vous avez la chance que vous avez vos parents qui vous remettent les CD. Non, je ne dirais même pas les CD, les cassettes à l'époque. Voilà.
on regarde et puis je revois encore l'action de Massing Benjamin, père à son âme. Ça vous fait sourire et puis après vous grandissez, vous entrez dans le football. Vous côtoyez des papas comme Libby Thomas, beaucoup d'autres personnes, Roger Mila, Koundé Emmanuel, lui pour le faire des paix à son âme. Vous êtes content, mais après, comme je l'ai dit tantôt, il y a un sentiment d'amertume parce que ces personnes-là n'ont pas été reconnues à leur juste valeur. Parlons un peu de son excellence Albert Roger Mila. Et s'il te plaît, fils, s'il te plaît, vous voyez que le coach Libby l'a dit ici tantôt, il ne parvient pas à se qualifier contre l'Angleterre parce qu'il y a des problèmes extra-sportifs qui surviennent. Le discours d'avant, parmi lesquels le problème de prime. Là, nous sommes en Coupe du Monde en 90. En le 2002, ministre lui a fait savoir clairement qu'il ne peut plus avancer. Ils avaient des capacités sportivement, c'était possible d'aller loin. En 2002, le Cameroun qui était attendu, on savait que cette équipe de 2002 pouvait faire mieux que l'équipe de 90, arriver à se faire éliminer au premier tour parce qu'ils ont passé une semaine hors du Japon à réclamer cette affaire de prime. Et lorsqu'ils arrivent au Japon et accueillir le décalage horaire, il faut récupérer, ils ne se sont pas entraînés, il y a des problèmes à résoudre et ça plombe la compétition alors que c'est une équipe qui était attendue. Mais malheureusement, on n'a pas pu tirer la leçon. Parlez-nous un peu de son excellence Albert Roger Miller et ses 4 buts dans cette compétition. On se rappelle encore de ce but face à Higuita qui a voulu et la petite danse au coin de corner. Non, c'est vrai que déjà, je pense qu'après le match contre l'Argentine, il avait cru être titulaire en principe au match, au deuxième match. Donc, après la réunion technique, il n'avait pas été content. Il a fait savoir au coach et le coach lui a dit Roger, tu vas t'asseoir, c'est toi qui vas nous faire gagner le match. Donc, n'est pas mal. Ça, c'est la personnalité. Ouais. Et quand il rentre, il met deux au fond. Donc, nous tous, on se retourne derrière les pommes et on se dit, ben, c'est un sorcier. C'est formidable. On a traité de sorcier. On a dit, là, ce type qui ne dit jamais. Ce type qui ne dit jamais rien, là. Il faut faire attention avec lui. Mais bon, dans le foot, quelquefois, quand vous avez un père, il sent ça arriver. Donc, voilà. Et je pense qu'il a toujours été le meilleur. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a même pas de mots. On parle de votre carrière d'entraîneur. On vous a vu dans des équipes comme Renaissance. Vous avez attaqué US Vitam. Mais le clou, c'est pratiquement ces 5 années passées en sélection chez U17 du Cameroun, comme adjoint tout d'abord. Avec Bertin et Boulogne, on a été de l'aventure du côté de Port-Gentil. Vous et nous savons ce qui s'est passé. On a été éliminé au premier tour. Vous avez appris de ces erreurs. Vous êtes reparti du côté de la Tanzanie. Patadras, vous avez remporté une compétition avec ces jeunes. Personne ne misait un citron. Il n'y a pas de football jeune. Comment vous avez fait pour en arriver là? Bon, je peux d'abord remercier déjà les gamins parce que je pense que c'est... Il faut rendre hommage aux gamins parce que ce sont eux qui sont au devant de la scène. Moi, tout ce que je fais, c'est de les accompagner. C'est vrai que on devrait préparer déjà l'UNIFAC au Cameroun. On avait été au courant, je crois, 8 mois en avance. Mais malheureusement, nous sommes entrés en stage 2 semaines avant le début de la compétition, sans avoir une équipe. Parce que ceux de 2007, je pense qu'on n'avait qu'un seul qui était encore éligible. Les autres avaient passé l'âge, donc il fallait trouver des joueurs. Dieu était encore éligible. Oui. Il y avait un seul, pratiquement, de la cuvée de Port-Gentil. On avait Moïse Sakava Sangula, on avait beaucoup de jeunes qui étaient de se et bien d'autres voilà. Qui étaient des... Donc, en principe, qui faisaient plus partie du groupe. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de monter une équipe sans avoir vu les gamins jouer. Et c'est comme ça que j'ai un coup de fil du ministère et du directeur des équipes nationales. Directeur administratif des équipes nationales qui me demande de monter une équipe en tenant compte des passeports des joueurs nés en 2002. Je ne les ai pas. Donc, je monte une équipe et je remets l'équipe, la liste à la FIDE. Et sur les 20 joueurs que j'avais remis à la FIDE, nous avons eu 5 passeports seulement. Donc, il fallait compléter les 5 passeports pour en avoir 20. Et sur les 20, j'ai pris des joueurs, il fallait prendre des joueurs qui avaient des passeports nés en 2002. Donc j'ai fait une sélection, pas sur le terrain, mais c'était par rapport sur la base administrative. Voilà. Parce qu'il y a l'urgence qui se posait. Parce qu'il y avait l'urgence.
alors que nous avons été au courant de cette organisation 8 mois à l'avance, où j'ai commencé à réunir certains gamins et j'ai eu un coup de fil du ministère où on m'a dit « Monsieur, qui vous a donné la permission de rassembler les gamins ?» C'est compliqué. J'ai compris la leçon, nous sommes partis abandonnés à nous-mêmes. À l'UNIFAC d'abord, à l'UNIFAC, à Malabo. On a quand même gagné. Non, ici, sur place au Cameroun. Au Cameroun. Nous avons quand même. Écoute, il y a eu cette histoire du joueur qu'on sort de l'équipe à pratiquement minuit, une heure. Le jeune de Sahel de Marois. Non, les joueurs sont sortis à l'entrée du stade. Ça veut dire que j'ai fait la réunion technique. Nous sommes en train d'aller au stade. À l'entrée du stade militaire, j'ai le coup de fil du secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football qui me demande de sortir 2 joueurs de cette équipe. Le jeune de Sahel de Marois et le jeune Ndjé, qui était titulaire. Et qui me demande, qui me dit bien, si tu les alignes, il écrit contre le Cameroun et le Cameroun est éliminé. Alors que les 20 noms avaient été validés par la CAF. Donc c'était. Dans le problème était ailleurs. Voilà, les histoires étaient ailleurs. Donc après ça, on remporte cette coupe. C'est vrai qu'on avait été abandonné à nous-mêmes à la fin de ça. Nous avons eu, je pense que les gamins ont eu quelque chose comme 25 000. Ils ont eu 25 000 francs CFA. Et même pour avoir le maillot de la finale, il a fallu que je plaide. Qu'on négocie. Il a même fallu un tapage médiatique. Voilà. Pour que finalement. Il y a trop de choses dans notre football. Et ça fait que. Je ne sais pas s'il faut les raconter ou il ne faut pas les raconter, mais je pense. Peut-être qu'il faut raconter pour penser, pour que ça nous serve de leçon. Mais après ça, je pense que M. Appy a convoqué une réunion à la Fédé, le jour où j'ai libéré les joueurs. Et il a fait une main levée de tous les membres. Une sélection nationale, on fait la main levée. De tous les membres, justement, pour cotiser ce qu'il y avait à cotiser pour remettre aux gros enfants. Voilà. Ça voulait dire qu'il y a toujours après ça, on revient, il faut aller, il faut préparer. La CAN ? Non, l'UNIFAC, à Malabo. Oui. Donc, j'ai décidé de faire la tournée des provinces. On vous suspend. On vous donne les demandes d'explication. On m'a donné, je crois, 6 demandes d'explication. Pourquoi est-ce que je le faisais ? Qui vous a autorisé? Qui m'a autorisé? Alors que j'avais écrit à tout le monde. Alors que vous avez il y avait des besoins qui se posaient pour compenser cet impôt. Il n'y avait pas d'équipe. Parce que même l'équipe avec laquelle nous gagnons, par exemple, l'UNIFAC ici, elle était très, très moyenne. Donc, il fallait trouver des joueurs. Bon, j'ai fait ce que je pouvais. Nous sommes allés jusqu'au bout. J'ai fait la tournée des provinces. J'ai pris des coups, comme d'habitude. Et je suis allé jusqu'au bout de ma pensée. C'est pendant comme ça qu'on remporte la compétition. Comme ça qu'on va à Malabo et on remporte la compétition. Sans matériel, parce que ça encore, je me suis battu avec le matériel de mon centre jusqu'à la sortie de cette équipe, dans cette équipe. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Des échelles et bien d'autres qui tournaient tout autour. Ça. Maintenant, cette Coupe du Monde, le clou, c'est que... Il y a des joueurs qui veulent vous être imposés et finalement vous dites il y a quand même le décret qui est là. Est-ce que c'est pas là où votre déclin a démarré avec les dirigeants de la fédération? Non, je pense que c'était beaucoup plus sur un certain nombre de choses que je voulais pas évoquer ici. Que je voulais pas avancer. C'est-à-dire qu'il fallait avancer sur un certain nombre de choses. Si on vous convoque, par exemple, vous convoquez les gamins, vous réunissez, par exemple, au centre technique, au lieu des 30 en stage, vous réunissez 70 à 80 joueurs. Et que vous avez, par exemple, un repas qui n'est pas à la carte, mais un repas qui est un buffet. Et que vous faites manger les gamins. Et qu'on vous convoque à la fédération pour vous demander pourquoi vous avez fait manger autant d'enfants, je pense qu'il y a un problème. On n'a pas d'équipe. Je me bats pour trouver une équipe. Mais à la fin, on me tape dessus. Donc, il y avait beaucoup de choses, en principe, qui passaient en compte. Donc, ce n'était pas évident du tout. Et donc, à la Coupe du Monde, ce qui s'est passé, c'est pas ça? Ce qui s'est passé en Coupe du Monde, c'est déjà, je pense, le peuple même qui a décidé que j'aille en Coupe du Monde. Sinon, je ne serais pas passé. Parce que il faut rappeler que vous étiez intérimaire après la mort de Diallo Siéwé, à qui on va saluer la mémoire ici. J'ai passé 3 ans intérimaire. Donc, ce n'est qu'au Cameroun qu'on ne voit ça? Et votre limogeage, comment ça se passe? Vous êtes à Istanbul pour revenir au Cameroun. Vous êtes encore en plein vol entre Sao Paulo et Yaoundé. Et avant même d'atterrir, vous êtes déjà limogé. Non, déjà que nous sommes allés jusqu'au bout de... Vous savez, ils ont toujours les pions dans le groupe. Donc quelqu'un leur donnait exactement
les positions. Voilà. Donc, nous sommes allés jusqu'au bout, au bout de la piste. Et la à personne, Istanbul. Oui, à Istanbul. Et la personne leur a dit, c'est nous, bon. Nous décollons dans quelques instants et je serai hors réseau. C'est comme ça que le document a été balancé. Mais sauf que quand on arrive au bout, on se rend compte que le commandant se rend compte que l'avion ne pouvait pas décoller. On repart à la base. Et quand on sort de l'avion, on allume notre téléphone. Je vois tout de suite, dès que j'ai ouvert mon téléphone, c'est le document que j'avais. Donc c'est comme ça que j'ai réuni mon staff pour leur dire, voilà ce qui se passe. Mais on reste calme. On fait pour pas de pas bruit. Créer la panique. Oui, parce que les gamins, il faut les ramener au Cameroun. Donc arrivé à Yaoundé, j'ai réuni le staff pour leur dire, on leur remet les enfants. Et nous, on ne monte plus dans le bus de la FECAFOOT. Parce que vous ne faites plus partie de l'équipe. Voilà, et qui devait rendre compte en ce moment-là? Très compliqué. Donc jusqu'aujourd'hui, vous avez tout dans le... Président, c'est du football camerounais qu'il s'agit à vos collègues. On va avancer pour amorcer la dernière partie. On peut faire deux jours pour parler de ces choses. Il y a trop de choses. C'est vraiment extraordinaire ce que... il nous relate là. Parce que moi, j'ai jamais compris que quelqu'un, en tant que coach... Fut-il intérimaire, il gagne une canne, à sortir là, on ne le titularise pas. Et on le menace même, on menace même le remplacer à la veille de la Coupe du Monde. Et on se retrouve par ailleurs, la seule équipe, la seule nation lors de la Coupe du Monde, qui avait à sa tête un coach, il dirait encore intérimaire. Moi, je ne comprends pas. Il faudrait qu'on arrive à faire des choses. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun staff. La Covid est venue arrêter les affaires alors qu'on devait disputer, je crois, au mois de mai l'UNIFAC encore ici à Yaoundé par rapport au chronogramme de l'UNIFAC. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de staff. Personne n'a remplacé Libby Thomas, Lucien Metomo et tout ce qui était dans ce staff-là. Ça voudrait dire qu'il y a quand même beaucoup de carences managériales dans cette affaire. Parce que dans toutes les catégories de nos clubs, on devrait avoir une planification sous forme de chronogramme, pour s'assurer que de telle période à telle période, il y a telle situation qui doit déjà être préparée. Et quelles sont les personnes qui doivent être impliquées dans ces préparations-là? Et faire en sorte que, je vous dis, tout doit se passer dans le cadre d'un organigramme, d'un chronogramme, et que la direction même de l'AFRICAFOOT soit là essentiellement pour suivre le déroulement des choses, c'est-à-dire comme sur la base d'un suivi tableau évaluation. De bord. D'un suivi tableau évaluation. De bord. Voilà. Et on ne devrait pas avoir à tâtonner lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale. On est loin de sortir de l'auberge. On est loin de sortir de l'auberge, président. On a longtemps parlé, on peut rester là pendant deux jours. On repart de l'autre côté, on prend une transition, on veut parler de faux vasu élite. Derrière, on interroge la saison pour commencer à sortir de ce programme avec le concours du réalisateur Dieu Béni Bangala. On prend la respiration et se retrouve derrière. On parle de cette équipe de faux vasu. Le président est parmi nous ce matin. Il s'agit du président Nya Kamendjou Norbert. Président, votre équipe termine avec 34. Vous avez essayé d'expliquer tout à l'heure. Tout d'abord, Billy Outo, vos collègues, un mot sur cette prestation de la formation de faux vasu. Faux vasu, rappelons que le président a racheté l'équipe. Ou encore, il y a eu cession et acquisition de AS Etomiki qui est devenu faux vasu élite à un mois et demi du début de la saison. Avec le coach Monté, ça a été difficile. Sokbo Omar est venu, il a pu redresser comme il fallait. Un mot rapide sur ces 34 points pour cette cinquième position. Non, à l'issue c'est une équipe qui a présenté deux tableaux. Il y a le tableau de la phase aller où ça a été extrêmement difficile. Elle était 12e avec 8 points. Le président a rapidement fait le constat. Et puis il a décidé de nommer un nouvel entraîneur. Et Omar Osokba est arrivé, il est arrivé avec de nouveaux joueurs. Il y a eu un électrochoc qui a été créé. Je crois que chacun s'est remis en question. Il y a eu un dénivellement de niveau. Et puis on a vu l'effet Osokba qui a rapidement pris. Parce qu'il faut même dire ici que peut-être que si le championnat avait atteint son terme, Faux Vasu aurait peut-être accédé en Ligue 1. Je crois que l'effet a été... Bon, il y a ce match Renaissance, Faux Vasu, ils ont perdu, je crois, 3-0. C'est là où ils ont perdu espoir de poursuivre la course à la montée.
Oui, après, quand vous discutez, quand vous voulez accéder, que vous disputez une rencontre contre un concurrent direct, il faut absolument le gagner. Mais je vais dire ici que globalement, ça a été une saison positive. Parce que quitter de la 12e à la 5e position, c'est quelque chose de très positif. Surtout que c'est une équipe qui venait, bon, je ne vais pas dire accéder, mais il n'y a que c'était sa première saison. Et du coup, l'essentiel, très souvent, l'objectif, ce n'est pas la montée, mais c'est le maintien. Donc le maintien a été fait. Et je crois que la saison prochaine, les ambitions seront revues à la hausse. Et pourquoi pas accéder en Ligue 1. Coach Libi Thomas, sur cette équipe, vous avez quand même les Jean de Macoun qui a décidé de céder l'équipe à cet homme qui est au président Nia, qui est un passionné, qui a déjà tenté le coup en championnat régional finalement. Et à chaque fois, il butait au niveau de la finale. Il arrive, c'est difficile, ce n'est que normal. Il termine avant-dernier à la phase aller, mais il réussit à remonter la pente. Non, moi, je vais d'abord féliciter le président parce que je pense que comme le tout, ce n'est pas sur le terrain, je pense qu'il faut penser beaucoup plus... Projection. Oui, pour pouvoir avancer. Parce que je pense que s'il n'avait pas cogné le poing sur la table au bon moment, je pense qu'il n'y aurait rien eu. Et surtout que tous les gamins qui sont de son équipe, je connais tout le monde. Il y en a beaucoup qui sont passés entre mes mains que j'ai formés. Donc je connais l'équipe. Et comme disait par exemple Billy, je pense que si ça avait continué, je pense que beaucoup de choses se seraient passées. Président, le bilan vous revient de votre équipe. On a vu 34 points pour ces 27 journées qui ont été disputées. Vous terminez 5e. Comment ça s'est passé pour qu'on en arrive là? Oui, disons que vous l'avez même déjà signalé tout à l'heure. C'est-à-dire, je reprends l'équipe à un mois et demi du démarrage du championnat. Et j'ai le malheur de constater que, bon, en termes d'équipe, c'était plutôt essentiellement le nom et sa garantie de jouer en élite. Mais en termes de joueurs, il n'y en avait pas. Les joueurs avaient été déjà libérés. Passif. Donc voilà. Il fallait maintenant que nous on bâtisse rapidement une équipe compétitive. Il y a le Côte-Monté qui a bien voulu nous accompagner dans cette aventure. Et nous avons pris 15 éléments de notre équipe régionale. À cette équipe, on avait associé quelques 3 ou 4 joueurs. On a vu les Tamen Gombe. Voilà. Et puis, ben, on est parti à la compétition. Je dois dire que ce n'était pas aussi mauvais que ça. On avait essentiellement un problème au niveau de la finition. Et si vous remarquez, sur les 9 matchs qui ont duré la première phase, on a gagné 7 un seul match. Mais on n'en a perdu que 2. Le reste, c'est-à-dire pratiquement... On a été avec vous à Limbe contre Léopard. Vous avez miné longuement dans le match et finalement, en fin de, dans les ultimes secondes, Léopard vous a rattrapé. Justement, il y avait aussi un peu, c'est-à-dire un peu de malchance qui nous suivait. Parce qu'on a fait pratiquement 7 ou 8 matchs nuls. Alors que si on en avait gagné 2 ou 3, bon... ça nous améliorait le classement. Mais je me suis dit que quelque chose m'allait bon. Parce que nous retrouvons avant-dernier à la fin de la première manche, ça nous a amené encore à beaucoup plus de réactivité. Et cette réactivité a fait en sorte que, en venant, en modifiant notre staff technique et en faisant venir d'autres joueurs un peu plus aguerris, et on a vu Alima, on a vu voilà. Des joueurs comme Owanja, on a vu. Vous avez quand même pris des joueurs comme Mbappé qui sont arrivés, qui ont apporté un qui plus. Qui sont venus, qui nous ont véritablement dans tous donné. Les compartiments. Il y a même Kameni Ngamare qui nous a marqué. Kameni qui était à pour Aline. La petite histoire, qui était dans la formation de AS Fortuna. Kameni qu'on n'a pas utilisé, ancien joueur de l'Union, qui finalement vous rattrapez et qui fait une saison exceptionnelle pour cette deuxième phase. Voilà, voilà. Et donc vous voyez qu'on suivait votre équipe sans même que vous le sachiez, Président. Maintenant, quelles sont les perspectives pour la nouvelle saison qui pointe à l'horizon aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se rassurer que les cadres, Fouvazu, les Ural, l'entraîneur Sogba Omar, il sera de la partie? Est-ce que vous pouvez nous donner des assurances à ce niveau-là? Vous avez commencé à parler tout à l'heure. De ce côté-là, nous travaillons déjà. Nous travaillons à faire en sorte que déjà nos cadres de l'équipe qui était en fin de contrat renouvelle, ils étaient 9. Il y a 7 qui ont renouvelé.
y a deux qui ont promis renouveler la semaine prochaine. Et je pense que l'effectif sera au grand complet. Et nous allons voir dans quelle mesure, à certains postes où on était encore limite, et recruter trois ou quatre éléments pour faire en sorte que véritablement, à l'entame de la saison, l'équipe soit prête. Que l'équipe soit prête, que ce ne soit plus le faux Vazu qui avait démarré la saison la dernière, mais plutôt le faux Vazu qui avait terminé la saison. Infiniment merci, Président, infiniment merci. On va, avec le concours de la régie de l'autre côté, voir un vintage, il s'agit du stade Yoro. Est-ce que ça vous dit quelque chose, coach Edibi, du côté de Douala? On nous a fait savoir que beaucoup de grands joueurs ont joué dans ce stade Yoro-là du côté de Douala. Et notre correspondant du côté de ce côté-là, Vincent Kamto, est allé dans ce chaudron qui avait passé les Roger Mila, qui avait passé tous ces grands joueurs-là. On prend cet élément et on se retrouve derrière. Au stade Yoro, un stade mythique, un stade où nos parents, nos grands frères, nous-mêmes, nous sommes passés. Ça a ressorti beaucoup de grands joueurs. Ça a alimenté l'équipe nationale du Cameroun, en l'occurrence, Joseph Antoine Bell, Roger Mila, Rigobert Song, Mbombe Flem, qui fait partie du quartier, d'Ndiora, le Fendiora, Ouest, le Cinquante Isaac. Après le Cinquante Isaac, on a eu une autre pépinière, le Yebga. Le fait Yebga, on a eu les Makon chinois, champions d'Afrique 84. Après les Makon chinois, on a eu les Samuel Eto'o. Donc après les Rigobert Song, les Samuel Eto'o, les nous. Nous avions joué ici et le stade a été abandonné où nous avions eu à approcher un peu certains grands frères qui sont dans le monde du football ou qui sont dans les affaires pour qu'ils ne laissent pas ce stade Yoro mourir comme il est en train de mourir. C'est nous qui faisons les efforts de l'entretenir comme nous pouvons, comme vous voyez là. Et quand vous, les médias, vous venez ici, ce n'est que c'est par cette voie que nous pouvions sonner une alarme aux autorités. Nous n'avions pas besoin du financement, le soutien matériel. Nous avons besoin de soutien matériel. Vous voyez les enfants que nous encadrions là, on ne sait jamais. C'est pour qui servent le Cameroun demain ou après demain. Garçons comme filles, c'est dans ce but que nous avions dit que nous ne pouvions pas baisser les bras pour laisser ce stade de Yoro mourir. Puis c'est un stade qui a sorti beaucoup de joueurs. Le nom Yoro, c'est un nom que nous sommes nés, nous avions trouvé et nous avions continué à l'adopter. Comme je vous disais tantôt, nos parents qui étaient déjà là, qui jouaient déjà ici, ont dénommé ce stade le nom Yoro. Vous voyez, parce qu'il y avait d'autres stades plus devant où on a conçu des magasins en allant vers le marché central, où on appelait le Kang Mabel. Vous voyez, donc le nom Yoro, nous avons trouvé le nom. Nous sommes ici de pratiquement au quartier Commando, entre... Un stade qui a abandonné à lui-même, un stade qui a fait l'histoire des grands joueurs de ce pays. Oui, j'ai entendu parler, mais moi, j'ai pas eu la chance de jouer là-bas. Je pense que c'est les anciens qui ont joué là-bas, surtout. Vous êtes un gars de Yaoundé. Billy, vous êtes un enfant de Douala, vous avez quand même entendu parler du stade Yoro, des championnats de vacances à nul autre pareil de ce côté-là, mais la bâtisse est en train de vieillir, a pris véritablement un coup. Oui, bon, la bâtisse a pris un coup. Maintenant, est-ce que ça appartient à un particulier? Est-ce que ça appartient à l'État du Cameroun? On a même voulu bâtir de ce côté, on a voulu construire, mais les populations se sont opposées que là, ça c'est un stade qui a fait une histoire au Cameroun. Bien, si il y a même un centre de formation désormais qui s'appelle Yoro Academy. Mais si les gens ont décidé de continuer à jouer dans la boue, il faut les laisser jouer dans la boue. Si on a voulu faire quelque chose pour que ce soit... Non, pour dire construire les immeubles. Ah ok, on laisse pour que les jeunes puissent se divertir. Puissent se divertir. Ah oui, ça c'est bien. Maintenant, vous savez un peu, c'est légion chez nous. Oui, parce que nous sommes dans des villes où tous les espaces sont occupés. Il n'y a même plus un espace où les enfants peuvent continuer à se divertir. Alors que les Libi Thomas comme ça, ils n'ont pas commencé très souvent dans des académies. Le Mongo Football. C'est le Mongo Football qui a commencé à faire, qui commence à... On se met à voir celui-ci peut jouer au foot, celui-ci il ne peut pas, le suc et tout. Donc il faut toujours... laisser les espaces comme ça où les enfants pourront se divertir. Présentement, vous avez entendu parler du stade Yoro du côté du Douala. Ce stade qui a sorti des messieurs comme Roger Mila, des messieurs comme Joseph Antoine Bell. Tous ces grands joueurs du Touro ont joué de ce côté-là. Vous savez, c'est un gros problème que nous vivons actuellement au Cameroun. Et je dirais même que si quelque part notre football est en train de régresser,
c'est à cause du problème des infrastructures. On ne peut pas, autant aussi bien à Douala qu'à Yaoundé, sur les stades où nos jeunes de bas âge ont l'habitude de taper dans le ballon, se permettre à ce que les gens viennent construire là-dessus. Je vais prendre un petit exemple, parce que moi-même, je côtoie le football amateur, même en ce moment. Rien que l'année dernière. Vous avez dit à trois équipes en ce moment chez les amateurs. Tout à fait, j'ai deux équipes là-bas. Alors, imaginez que rien que la saison dernière, on a perdu des stades. Il y avait le stade de Razel, bon, ça appartenait à un individu. Il a vendu pour la construction d'un supermarché dessus. On a perdu le stade de Mana, ça appartenait à Saint-Pers. Et puis la Saint-Pers est en train de construire dessus. Il y avait l'annexe 3. Et on a perdu le stade de Messamendongo. Là également, le propriétaire est en train de construire dessus. Et pour dire en ce moment, le football amateur, même les clubs professionnels ont du mal à trouver des aides de jeu pour s'entraîner. Comment est-ce qu'on peut évoluer sans s'entraîner valablement? Là, vous appelez les collectivités territoriales décentralisées. On a 7 arrondissements, 7 mairies à Yaoundé. Et si ces derniers venaient à s'impliquer, on a Jean-Marie Abouna qui commande pour ce qui est l'arrondissement. Normalement, chaque. Il faut mettre l'accent de ce côté-là. Il faut mettre l'accent de ce côté-là. Chaque mairie devra avoir un stade approprié. Des complexes. S'il y a déjà un seul, c'est déjà bien. Et ça permet d'avancer. Mais je vous dis qu'en ce moment, même le championnat de Ligue régionale qui va démarrer la saison prochaine, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont jouer. Vous allez venir jouer au Kola ou bien au Bala ou parce qu'il y a le stade de Sapeurs Pompiers, peut-être que demain vous dira qu'on a construit quelque chose. On dira infiniment merci, merci Président. On n'a pas vu le temps passer, mais vous savez, l'heure de la fin a sonné. Je pensais que je pouvais dire juste un merci pour les organisateurs du tournoi de la solidarité. C'est quelque chose de très bienvenu. Il en manquait ici dans le centre. Et je pense que déjà la bonne foi a voulu que nous on soit affiliés à cela. Et j'interpelle également mes amis, surtout des clubs d'élite de la région du centre, de bien vouloir réagir par rapport à cela. C'est ça la fête du football. Infiniment merci, coach. On a revécu ces temps en sélection nationale et surtout cette épopée des 90. On vous dit infiniment merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Billy. C'est la maison. La plus belle femme du monde ne pourra que donner ce qu'elle a. On va rappeler que ce programme est une réalisation de Dieu béni Bangala. On a l'ingénieur de son, William Kamga, qui est toujours là. On a un renfort. Il y a des stagiaires qui sont là, qui nous accompagnent. La maison commence à grandir. On dira infiniment merci. Marina Kogvina a posé la voix. J'étais fils d'un Indien pour vous servir. Si simplement, on va dire, respecter les mesures barrières, l'ennemi est dans la maison, se laver les mains, les distanciations et tout ce qui est dicté par le gouvernement de la République. Portez-vous bien, bon week-end et on se retrouve au prochain numéro. Thank you.